Alexandre, comment faut-il aborder un forum de l'emploi et se faire recruter? Alors, c'est simple, ce sont des professionnels, jeunes diplômés ou expérimentés, qui vont aborder un exercice qui n'est pas évident, qu'on ne fait pas forcément tout le temps dans sa carrière, mais qui est essentiel. En 3-4 minutes sur un forum, vous allez aborder un recruteur et vous n'aurez qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Donc il faut se préparer, mais surtout ne pas laisser faire le travail à son CV, ne pas laisser ce document prendre la priorité. C'est à vous de défendre vos compétences, c'est à vous d'aborder et d'épouser les challenges qui sont devant vous, les challenges 2017, 2018, 2020, etc. Et donc, aborder les recruteurs avec une phase de découverte. Il faut que vous montriez une mentalité où vous allez vraiment avoir envie de savoir ce qu'il y a comme enjeu dans l'entreprise que vous abordez pour les 6 mois, les 18 mois, les 24 mois à venir. Et c'est là où vous aurez une utilité, et c'est là où vos compétences, votre personnalité va rentrer en utilité. Et donc vous serez employable et vous aurez des oui. Vous n'êtes pas partisan de donner un CV sur un forum de l'emploi, pourquoi ? Si le CV plombe, tue votre candidature, à quoi bon ? C'est vous qui êtes le responsable de l'engagement que vous allez prendre. C'est vous, en tant qu'homme ou femme, qui allez comprendre la problématique et les enjeux professionnels qu'on vous propose et qui allez vous engager, qui allez suer, qui allez transpirer au quotidien pour réussir les objectifs professionnels qu'on vous fixe. Ce n'est pas votre CV. Bon nombre d'employeurs disent aujourd'hui, je ne recrute pas un CV, je recrute un individu. Donc ne laissez pas faire à ce bout de papier votre travail. Venez avec vos CV, oui, c'est important, mais si vous estimez que suite à l'entretien et à la découverte que vous avez fait avec un recruteur, votre CV est en décalage et risque de tuer votre candidature, surtout ne le donnez pas, engagez-vous à le renvoyer ultérieurement.